Ceci est le son que toute l'humanité a entendu le 12 mai 2021. Une guerre nucléaire qui a anéanti toute vie à la surface de la Terre. Enfin, c'est ce que nous croyons. Ceux ayant survécu à la surface furent transformés à jamais. Le gouvernement nous avait informé par radio que nous pourrions sortir de Terre au bout de 20 ans sans risque. C'est le jour J. Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mod en mode Dark RP. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est enfin les 20 ans après l'apocalypse nucléaire. Depuis le temps que je vous promettais cette vidéo, j'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à exploser la barre des likes, je compte sur vous pour dépasser les 10 000 likes. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Ça motive vraiment à faire de très grosses vidéos comme ça. Je vous laisse vous régaler, c'est parti. On peut enfin sortir, oh putain. Les autres auraient adoré ça. Ça fait un moment maintenant qu'ils sont morts. Max, les femmes, y'a plus personne. J'ouvre la bouteille d'oxygène. Oh le sol! Le sol est redevenu. Je vais voir s'il y a des gens, non? Putain, je commence à crever la dalle en plus. J'avais plus de boîte. Ok. Bordel! L'herbe a bien poussé. Bon, bien sûr, y a plus d'électricité. Ça, on s'en doutait. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont survécu? On est à Miko, vous inquiétez pas, on vient de trouver d'autres survivants. On vous veut pas de mal, on cherche des gens. On est à Miko. Plus on sera nombreux, plus on pourra survivre. On va chercher de la bouffe, ça vous intéresse? Très bien. Crève la dalle. Ouais, nous aussi, moi aussi je crève la dalle. Putain. Regardez tous les survivants là qui sortent. Oh putain. Bonjour messieurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bordel. Bonsoir. Vous étiez enfermé dans la caserne depuis 20 ans? Non, on fait des petits tours. On habite un chalet un peu plus loin là, proche du lac. Ah d'accord, vous m'avez fait peur. Là on cherche des provisions. Ouais pareil, je commence à crever la dalle, j'avais plus de conserve là dans mon abri. Ouais. Putain, c'est pareil, on a plus rien, on essaye de trouver des trucs, mais y a rien là. Si vous voulez qu'on y aille en centre-ville, si on est un gros groupe, je pense que même les pillards et tout ça, ils pourront rien faire contre nous. Moi j'ai des munitions. Ouais, ils oseront pas nous attaquer. Nous on a rien, on a trouvé juste un petit couteau de cuisine là qu'on a pris de chez nous, mais on a rien quoi pour se défendre, c'est ça ouais, qui est compliqué. Faut faire gaffe. Quelqu'un est allé à l'hôpital ou au poste de police? Déjà dit qui arrive. Là-bas y'a un véhicule. Faites gaffe. Attention. Le poste de police est vide. Wow. Oh le jour se lève. Putain, le soleil. Il est dévasté. Ça va nous éradier là, putain cette merde. Moi je reste avec mon masque en tout cas, je bouge pas avec mon masque, c'est sûr ça. Ouais. Non, moi c'est pareil là. On a trouvé 2-3 trucs là, on essaye. Le seul truc qu'on a réussi à trouver c'est on était à l'hôpital, on a trouvé des masques. Des vieux masques à gaz là, pourris des. Mais bon, on espère que ça fera le taf quoi. Eh, on est sortis, on est tous vivants, ouais. Ok. On va pouvoir reconstruire un monde honnête et un monde vivable. Mais s'il vous plaît, ouais. Faites pas les cons. Écoute, Walter, tu t'appelles? Moi, c'est Melrose. Ouais. Écoute, il faudrait qu'on aille vers le centre-ville, t'es d'accord? Ouais, je pense que ça serait une plutôt bonne idée, il y aura peut-être des trucs encore là-bas. Faut faire attention. Là-devant, là. Je commence à vite trouver la dalle, moi. Faites gaffe à eux. Ouais, les médecins ils sont armés. Eh, on est pacifique, putain, on est pacifique. Et vous foutez quoi avec deux corps là devant vous? Vous foutez quoi avec ça? Là il vient de glisser sur l'homme qui est au sol marron là. Mon collègue vient de glisser dessus. Oh, il se passe quoi? Ok, j'ai quelques compétences médicales si vous voulez. Si vous avez de la nourriture en échange, je peux aider votre ami. On veut de la bouffe. On en cherche. Bouffe, on en cherche aussi. Bordel, le centre-ville. On les égouts, les gars. Bordel. Il pleut beaucoup là, hein! C'est le bordel ici! La supérette, messieurs, la supérette! C'est un des meilleurs plans, je crois! Ok, on va tenter la supérette, messieurs! Y'a rien dans la supérette! Mais y'a rien! Y'a rien dans la supérette, j'ai regardé! On vient de la faire, Putain! Mais oui, Qu'il y a dans le coffre de l'avant, putain! Putain, mais courez pas dans tous les sens là, putain là! Ok! Oh putain! Putain, il se passe quoi? Putain! Faut pas disputer! Voilà! Une balle dans la tête! Putain, il court encore! Mais. Oh merde, il y a un casse! Casse-toi! J'ai amusé les balles là, putain! Wow. Comment vous allez? Ok, on va dans le coffre. C'est quoi ça? Putain, c'est quoi cette merde? Je sais pas. C'est quoi cette merde? Vous pensez qu'il y a encore du fric? Y'a quoi dans le coffre? Eh, des dollars! Imaginez, on trouve des dollars! Non, mais des putains de dollars! On va manger des billets maintenant! Ça se compte en capsule! Ah non, tout a été vidé! Capsule ici. Tout a été vidé! On va manger des dollars!
Putain, ils ont même arraché la porte du coffre. Vous imaginez? Putain, y'a les branches là, suivez-moi. Regardez ça, la porte du coffre avait été arrachée. Bordel. Et en plus, elle est blindée, elle est bien épaisse. Oh, code motel là, vous êtes où? Tel, la porte est sortie, code motel, tout à droite. C'est quoi ça, code motel? Bonjour, messieurs. Code motel, à droite. Y'avait une ça doit être leur nom de leur clan là. Le temps de merde. Ça, je comprends. Putain, faut pas que je gaspille trop de mine. Hey Walter, Walter, viens, faut que je te parle. C'est sombre là, de merde. Viens, faut que je te parle. Walter, faut qu'on se taille. On est pas, par exemple, on est basé à l'hôpital et on prend juste le strict minimum, ceux qui étaient là au début. On était 4 ou 5, ça allait très très bien. Non mais là, ouais, mais même 4 ou 5. Walter, prends que les gens sur qui tu as confiance. Là, regarde, ouais. La moitié c'est des boulets, ils ont des armes, ils savent pas s'en servir. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Je vais prendre ceux qui étaient chez moi à la blaze, et puis c'est tout. On n'aura pas assez de vivres, sinon. On n'aura pas assez de vivres. Waouh, putain. C'est quoi ça? C'est quoi ça, là? Putain. Ah, putain, j'ai mal aux yeux. Waouh. Putain, il y a eu un gros flash. Putain, j'espère que c'est pas encore une bombe nucléaire. Oh, une voiture. Attendez. Une voiture. Imaginez, elle démarre. Oula. Voilà, attendez, parce que c'est compliqué, ça fait longtemps. Allez, tu les vannes, hein, tu t'y connais. C'est bon. Ah, voilà. Putain, ça marche, ça démarre. Y'a de l'essence. Y'a encore de l'essence. Putain, mais on va pas démonter là. Y'a que deux places, y'a que deux places. Merde. Ah ouais, y'a pas de banquette à l'arrière, fais chier. Putain, je suis bloqué. Oh, derrière vous. Putain. Non. 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 Putain de merde, Walter. Walter, c'est plus mort. C'est quoi ça? Ah putain. Oh putain, il m'a arraché le sac là, putain! Putain, mets ton bras! Non, Walter! Putain, Walter, non! Non, Walter! Écoutez, écoutez! Peut-être qu'il a rien, peut-être qu'il a rien! Coupez-lui le bras! Walter, monte! On va t'emmener au centre de soins! Allez! Putain! Putain, le centre de. Y'a plus de sang! Elle roule! Ah! Elle roule! Ah putain! Putain de merde! Allez, go! Ok, tiens le coup! Putain, ils essaient de nous la voler, c'est con. Oh putain, il manque un pneu, c'est dur. Oh putain de merde, regarde devant. Ok, putain. Oh putain, il va se faire bouffer. Putain, ils veulent tous la caisse. Merde. Oh putain, l'hôpital. Oh, on va peut-être trouver des soins pour toi, Walter. Ok, reste là, Walter, je te dis quand tu peux descendre. Hé, y'a quelqu'un? Y'a des médecins! Viens, Walter! Oh putain, ouais! Là! Hé! Hey, c'est mon véhicule! Sortez, c'est mon véhicule! Je oh putain! Oh, putain! J'ai des antidotes de toute manière! Walter! Walter! Il est mort! Non, putain de merde! Non, putain, Walter! Essayez de le réanimer, s'il vous plaît! Essayez de le réanimer! J'ai fait du secourisme à l'époque, attendez. Je suis médecin là, laissez-moi faire. 1, 2, merde! Laissez-moi faire, je suis médecin. Merde! Allez. Fermez les portes! Oh putain, elles sont bloquées. J'ai besoin d'un petit peu. Walter! S'il vous plaît, quelqu'un, non, tu t'en. Faut y aller. Faut se casser. Venez avec moi dans la voiture. On m'a dit qu'au motel il y avait des mecs. Hey, allez vous faire foutre. Hey, qu'est-ce que vous foutez vous? Tu nous abandonnes. Oh bordel. Je sais pas si on va réussir à y aller. Ah, j'en ai des voitures. Ouais, il y avait du monde au motel. C'était un des points de ralliement de l'armée. Ah ouais? Bah, je sais pas trop, moi je viens de True North. J'arrive il y a pas très longtemps. True North, c'est infesté là-bas. Faut surtout pas y aller. Bordel. Ouais, vous avez vu ces sortes de je sais pas, on dirait des mutants, Ouais, c'est des trucs bizarres. Y'a peut-être de la bouffe là, dans la caravane. C'est ce que je me dis.
Y'a des gens qui s'approchent là. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Vers nous. Eh là, y'a des trucs là. Y'a des vivres. Oh putain. Prends-en. Eh, fais gaffe. Fais gaffe, y'a des mecs. Oh. Oh. Non. Oh, s'il vous plaît, là, c'est la seconde, y'a des mecs armés partout. On ne voulait la vécu. Oh, y'a des mecs en tenue hazmat. Oui, c'est eux, mais supérieurs là, avec la tenue rouge et la tenue blanche. Oui, c'est eux. Il y aurait pas. Ils ont des munitions aussi ou pas? Ils en ont pas beaucoup, hein. Merde. Oh, le poste de police, y'a peut-être des munitions là-bas. Je pense qu'il y a des munitions, ouais. Le truc, c'est que l'armée et la police étaient là-bas. Donc on va essayer d'y rentrer. Jouez sur la carte que vous êtes médecin. Ok? Il faut vraiment que... Ok, vous inquiétez. Voilà, tout se passe bien. S'ils essaient de nous tuer, il faut se barrer. D'accord? Et vous êtes mon assistant, on va dire. Hein. Ouais, comme ça, ils nous attaquent pas non plus. Ouais, ok, on va dire un truc comme ça. Faut pas hésiter à les menacer, d'accord? On a des armes. Bon, moi, j'ai plus de munitions, ouais. Mais rien que d'avoir l'arme, ça peut leur faire peur. Wow. Oh, putain. Oh putain. Ça m'a repoussé. Viens, il faut essayer de contourner. Jake, on va se tutoyer. Il faut essayer de contourner maintenant. T'as encore... Putain. T'as encore assez de munitions ou pas? Ah, putain, ce cri. Ah. Telle. Écoute, Jake, si t'as assez de munitions, pendant qu'elle crie pas, là, il faut que tu lui tires dans la tête. Dans la tête. Vous êtes qui, vous? J'ai pris l'arme de l'un d'eux. Il y a gravé de zombies là à l'intérieur. Il y en a au moins 5. On utilise des munitions de pistolet. Moi j'ai... Ouais. J'ai tué. C'est quoi ça? Ah! Non, c'est bon. Oh. Putain, il est encore vivant. Oh, bon. Hey, il est encore debout. Putain, mais il est encore debout là. Ouais, c'est comme tout à l'heure à la banque. Il va se coucher. Non, okay. Casse-toi, toi. Putain, tout est resté figé comme il y a 20 ans. Putain, mais c'est fou qu'il n'y ait pas de munitions, bordel. Y'a rien. Putain de merde. Là, y a plein de survivants dehors. Putain! Putain de merde! Cachez-vous, y'a l'armée! Cachez-vous, vite! Y'a l'armée! Pas bouger! Sors, dehors! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Excusez-moi, je me cachais! Sortez! Allez, dehors! D'accord! Allez, dehors! De suite! Je m'en vais! Je pourrais pas me défendre plus longtemps sinon. Bah, tirez-lui une balle dans la tête là. J'en ai besoin, allez-y, allez en bas. Jax, okay, c'est moi. C'est nous. C'est y'a Jack avec moi. Putain, j'ai cru que les militaires vous avaient buté, les gars. Viens. Putain, mais Rose, on a cru que t'étais mort. On s'est caché, bordel. Ah, pareil, je me suis caché, ils ont voulu me tirer une balle dans la tête, ils me cherchaient dans le bâtiment. Mais c'était des barges. Ils butent tout le monde. On a failli se recramer à cause d'un. Ils butent tout le monde. Il faut aller se les faire, ces enfoirés. Y'a ce mec-là qui a des munitions dans son sac. J'ai un mini hélicoptère. Je pourrais aller voir et survoler même le camp des militaires pour voir ce qu'ils font et comment ils sont préparés. Et en attendant, il faudrait que vous réunissiez des survivants. Ok. Allez, ça va le faire. C'est pas si loin que ça. Allez, j'atterris. Je me souviens de la procédure. Putain, ça vole. Putain, vous avez trouvé ça où? Non, c'est à moi, c'est une fabrication maison. Hey, salut Macron, toi. Okay. Salut petit toutou. Oula. Approchez pas, il aime pas les gens. Tous les gens qui ont des armes, les gros survivants, faut y aller. Eh, hey, c'est quoi là-bas? C'est un militaire? Il faut de l'armement. C'est quoi là-bas? Oh. Ouais, c'est moi. C'est moi. Je suis devant là. C'est qui lui devant? Je suis là, ouais.
Eh, reste là, enfoiré de militaire, reste là, enfoiré. Reste là. Tu bouges pas, tu bouges pas. Dépose ton flingue. Calmez-vous. Eh, il est pas avec ses potes, ok. C'est notre otage, vous l'amenez avec nous. Ok, vous le ramenez, vous le ramenez. Prenez pas. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu foutais là devant notre camp? Raconte. C'est toi tout à l'heure qui étais là. C'est toi qui est venu tout piller. C'est toi qui a dit à ton collègue de me mettre une balle dans la tête. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous butez les gens? Pourquoi vous pillez? Pourquoi vous essayez pas de ramener le calme maintenant qu'on peut respirer dehors? Tu vois ce bout d'os? Tu vois comment il est pointu? Comment je l'ai taillé pour qu'il poignarde les gens? Hein? Parce que ouais, on est obligé de se défendre avec ça. Les armes, les munitions, il y en a plus beaucoup. Donc là, tu vois, ta petite jambe. Excusez-moi, Zero Wedge. J'ai besoin de toi, ouais. Si tu veux pas que je te le plante dans l'autre jambe, même dans le genou, tu vas nous dire pourquoi tu fais ça, espèce d'enflure. On a été envoyé pour maintenir une chose. Une chose géante. Un missile nucléaire? Je ne reviendrai pas. Un missile nucléaire? C'est les résultats de l'ogive nucléaire. Comment ça, les résultats de l'ogive nucléaire? Raconte. Écoute, je vais te... Comment ça, te repoignarder? Écoutez, il n'y a plus de gouvernement, je réponds pour un état-major. Tiens donc. Et il est où ton état-major? Où est-ce que vous êtes situé? On a été envoyé depuis Washington. Allez-y, sortez. Vous avez bien un camp dans cette ville? Un camp temporaire, oui. Vous avez des vivres? Vous avez des munitions? Vous avez des armes? Vous avez quoi? On a tout. Mais c'est pas ce qui vous intéresse, croyez-moi, c'est pas ce qui vous intéresse parce que... On va tous mourir si on reste ici. Et ici, on est ici pour contenir une créature. Une créature? Qui va arriver. Une putain de créature, mais... Amène-moi à ton camp. Ok, il est où ton camp? Comment? Avancez tout droit. On a un hangar désaffecté. Hurlez. Pour pas qu'il nous tire dessus, hurlez. Ne tirez pas. Il y a quelqu'un qui s'est posé là. Hé hey, j'ai votre collègue. Je veux juste discuter avec le commandant. Je veux savoir ce que c'est cette chose dont on doit avoir peur. Et on veut vous aider. Les citoyens veulent vous aider. Malgré ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas nous aider. Allez vous terrer là, vous savez le faire comme d'habitude. Planquez-vous, vous avez mieux que ça à faire. Je veux me battre. Vous devez faire le bien. Vous deviez nous aider. Et vous l'avez pas fait! Et vous comprenez que le reste de l'humanité mérite d'être sauvé? Vous êtes bien le seul. Bien sûr qu'elle mérite d'être sauvée! Il y a encore des femmes! Il y a encore des enfants! Il y a encore de l'avenir! Putain, mais réfléchissez un peu! Baissez vos armes, et puis après on discute. Je vais le faire, parce que je crois encore qu'il y a un peu d'humanité. Mais putain, je vous en prie, me tuez pas. Tonton, hein? Ils m'ont planté un truc dans la jambe, ces enculés! Ok, menottez-le. Commandant, j'ai des gens motivés chez moi. On peut vous aider à vaincre cette chose. Tout seul, vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas assez nombreux. On peut la battre, ensemble. Rendez-nous les armes. Rendez-nous les explosifs. Et cette chose, on l'affrontera. Quoi que ce soit. J'ai vu leur groupe, commandant. Ils ont Je pense que ça pourrait être une aide assez utile. Vous êtes combien dans votre groupe? On est une petite vingtaine. Ramenez-vous à votre base, on va leur parler. Et on va vous donner des armes, et de quoi se défendre. Ok. Peut-être qu'à plusieurs, on va réussir à détruire cette espèce de chose. C'est cette chose qui fait les tremblements, qu'on ressent de temps en temps. Si bon. Oui. C'était quelque chose que nous... Elle a ravagé toute la côte ouest. Bordel, mais... Voilà. Ça fait quelle taille, ce truc? Pour faire trembler le sol, comme ça? Suffisamment grand pour tous nous exterminer si on s'y prend mal. En tout cas... On pense qu'il y en a plusieurs. On s'est trompé de cible, messieurs! Le problème, ce n'est pas les militaires! Le problème... C'est un monstre géant qui apparemment aurait ravagé Washington, New York. Quoi? Un monstre mutant. Je sais que ça paraît fou à croire que dans le monde d'avant on n'a pas connu ça. Mais c'est pas les militaires le problème. Ils vont venir nous apporter des armes, des explosifs. Attendez, mais... Cette chose se dirige vers notre ville. On risque de tous mourir. Mais Rose, il a quoi comme puissance? Est-ce qu'il peut détruire le commissariat? Ça serait un truc. Parce que ça a détruit la ville de Washington. Ça a détruit la ville de New York.
Alors c'est pas le poste de police qui va résister. C'est nous les campagnards qui vont être galons devant lui. Regardez les sous. Les Mais déjà, on galère. L'armée ont dit qu'ils allaient amener toutes les caisses de munitions qu'ils avaient, tous les explosifs qu'ils avaient. Regarde, il y a un APC devant. On est dehors. Vous m'avez fait changer d'avis, donc ça va faire, j'espère que vous ne ferez pas regretter. Moi d'entourloupe, je vous jure, on ne fera pas d'entourloupe. On est tous ensemble. On est tous là pour survivre. Pour créer un nouveau monde. Faites-nous confiance. Très bien. Expliquez-leur qu'on va devoir prendre les armes pour tuer les choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Je leur ai déjà fait un débrief. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. On va tous aller se servir un par un des armes. Là-bas. Des explosifs. Ok, merci. Faites très attention. Dans tous les sens, vous allez y aller un par un. J'espère que vous êtes prêts, messieurs. Parce que si vous allez voir les gens, mec, sans toi. C'est pour Tencent, pour les États-Unis d'Amérique. C'est pour l'humanité. Allez, faut y aller, messieurs, là. C'est pour l'humanité. Attention, mutant! C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? À gauche! C'est quoi ce bruit? Bordel. Dans le corps de la bête.